à tous, c'est la rentrée pour l'Europe et surtout pour le président de la Commission européenne. Le 12 septembre prochain, Jean-Claude Juncker est attendu dans l'hémicycle de Strasbourg pour le dernier grand oral avant la fin de son mandat, le fameux discours sur l'état de l'Union, exercice fleuve, suivi des questions des eurodéputés. Alors, quoi de neuf, docteur, sur l'état de l'Union, le pronostic vital est-il engagé? En temps normal, M. Juncker aurait pu se féliciter d'avoir tenu la barre d'un navire européen menacé de dislocation, voire d'avoir géré le divorce du Brexit. Sauf que, eh bien, l'Italie tétanise l'Europe sur le thème de l'immigration. Les populistes xénophobes ont le vent en poupe à l'est de l'Europe, au centre, même en Autriche, jusqu'en Allemagne. Et ce, à 8 mois des élections européennes, la Commission elle-même essuie quelques critiques pour favoritisme. On va en parler avec nos invités tout de suite. Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français Les Républicains, donc vous êtes dans le PPE. Vous êtes aujourd'hui en compagnie d'un Polonais, Jacek Jaruzelski, bonjour. Bonjour. Eurodéputé non inscrit, puisque vous êtes... Ancien PPE. Vous sentez proche du parti au pouvoir, droit et justice peut-être, on va dire. Et vous nous le... Je suis non inscrit. Non inscrit. Et vous êtes face à Ernest Urtasun, qui est espagnol, lui, de Catalogne, pour Les Verts. Alors, j'ai envie de vous poser la question, d'ailleurs, quoi de neuf, docteur, qu'en est-il de cet état de l'Union? Dans quel état gère, j'ai envie de dire? L'Union n'est pas dans un état extraordinairement en bonne santé. Mais là aussi, je pense que c'est la démocratie. Et la démocratie passe par des phases de difficultés, de facilités. Il faut faire attention dans le débat qu'on va avoir à ne pas charger de responsabilité l'Union européenne, alors que les États ont beaucoup de responsabilités à leur charge et dont facilement ils se déchargent sur l'Union. Alors, comment se porte cette Union, selon vous, vu de Pologne? L'état de santé est mauvais. Franchement, et je pense que Jean-Claude Juncker laisse l'Union dans un état plus mauvais que, pire que ce qu'il a hérité il y a 5 ans. L'Union européenne sera plus faible géopolitiquement par les départs à cause de la Grande-Bretagne. Le sud et l'est de l'Union européenne est en flammes. Et ce qui est très important et pas très bien vu, très bien apprécié, c'est les divisions en Europe. Nous sommes divisés comme l'Union européenne. Les uns accusent les autres, des populistes, des nationalistes, tout ce que vous voulez. Au lieu de s'occuper du duel Macron-Orban à distance, et Salvini, etc., de la chasse à l'Europe centrale et orientale. Et les leaders des pays membres accusent les autres au lieu de s'occuper de l'état de leur démocratie propre. La démocratie en France et en Allemagne a des problèmes propres, donc ils n'ont pas à donner des leçons à nous, le pays de Visegrad. Les pays de Visegrad, les quatre, on précise quand même, hein, Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie. Slovaquie, oui. Voilà. Alors, est-ce que c'est votre sentiment aussi? Moi, j'ai un sentiment de crise grave. Hein, et je pense que les forces pro-européennes, nous devons assumer que nous sommes dans un moment très, très compliqué de l'Union européenne et qu'il faut vraiment un changement de cap si on veut éviter que cette montée des extrémismes de droite continue. Et pour juger le travail de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker est venu au début nous dire que sa commission était la commission de la dernière opportunité. Je pense qu'il a fait un mauvais quinquennat. Bien sûr, tout n'est pas attribuable à M. Juncker. Les dynamiques des États membres ont un impact très, très important, mais on a manqué d'une direction politique claire de sa part. Et je pense que le manque de certaines réformes structurelles que l'Union européenne devait affronter depuis des années, réforme de la zone euro, réforme du système de Dublin sur les réfugiés, l'immigration, etc., ce blocage a vraiment... ce manque de direction politique a vraiment mis l'Union européenne dans une énorme difficulté. Donc je pense qu'on finit le quinquennat avec une crise très, très grande et ces élections européennes seront un point crucial de l'histoire de la construction européenne. Alors justement, est-ce que, quand on parle de la part de responsabilité de Jean-Claude Juncker, qui va prononcer ce fameux discours sur l'état de l'Union le 12 septembre prochain, il parlait de la polycrise, est-ce qu'on peut considérer qu'il a quand même quelques réussites? Non, objectivement, il a des réussites. La sortie de la Grèce de la zone euro, même si c'est une affaire qui date évidemment d'avant Juncker,
le marché unique numérique qu'on est en train de mettre en place. Non, il y a des éléments positifs, il ne faut pas caricaturer les choses. Ce qui est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est la question du sens qu'on donne à l'action commune. Aujourd'hui, je crains qu'il ne soit pas évident pour les uns et les autres, y compris ceux qui sont vraiment pro-européens, de définir ce que signifie être européen. Et c'est là où il y a la difficulté politique, c'est qu'on attend beaucoup de la Commission européenne, mais en fait, la Commission européenne, quand elle n'est pas aidée par les États, c'est un géant qui est nu. Et la Commission européenne a manqué de soutien de la part des États qui sont divisés, qui ne parlent pas, qui n'ont pas la même ambition, qui ne veulent pas donner le même sens à l'Europe. C'est ça le sujet. Alors justement, à quelques mois du Brexit et des élections européennes, vous l'avez tous souligné, qui pourraient voir une percée historique des partis dits populistes, Jean-Claude Juncker a choisi de prendre tout le monde à contre-pied en faisant sa rentrée sur un thème de la plus haute importance, s'il en est, à savoir le changement d'heure. Reportage tout de suite. La même heure, toute l'année. Dans une consultation en ligne, près de 4 millions d'Européens se sont prononcés pour la fin du changement d'heure. Reste à trancher entre le maintien de l'heure d'hiver ou d'été. Jean-Claude Juncker vient de mettre les pendules à l'heure en suivant non seulement le vote du Parlement, mais aussi l'opinion générale des citoyens qui penchent en majorité pour l'heure d'été. Le Parlement européen va dans ce sens depuis des années, et cela se fera. Les gens veulent cela, et nous le ferons. Depuis longtemps, les statistiques vont dans le sens de l'opinion des chronobiologistes. Le changement d'heure déstabilise profondément les comportements. Pour preuve, durant une semaine après ce décalage horaire, on enregistre une augmentation de 40% des accidents. Mais il va encore falloir attendre l'accord des 28 États membres pour appliquer l'heure d'été éternelle. En octobre, on risque donc à nouveau de changer d'heure. Voilà, c'était le même homme, Jean-Claude Juncker, qui nous avait dit qu'il faut se concentrer sur les grands sujets et ne pas perdre son temps sur les petits. Est-ce que vous trouvez que cette idée de lancer la rentrée avec le changement d'heure et une consultation citoyenne là-dessus, c'est une bonne idée? Bien sûr, le changement d'heure, c'est un débat politique. Hein. Il faut le prendre au sérieux parce que ça a un impact sur l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, etc. Mais bien sûr, ce n'est pas le débat qui va remettre l'Union européenne sur la bonne voie, ça c'est clair. Ni d'ailleurs d'accord, parce que chacun va choisir son. Et surtout, on en parlait tout à l'heure, je pense que, bon, il paraîtrait que la Commission européenne a voulu écouter les citoyens dans ce sujet-là, mais je pense que si, dans les dernières années, il y a eu un écart de plus en plus grand entre les citoyens et les institutions européennes, c'est aussi parce que la Commission n'a pas voulu entendre ou n'a pas entendu suffisamment ce que certaines expressions citoyennes voulaient manifester, comme par exemple le rejet des traités commerciaux comme le TTIP. Oui, il y a eu des grandes initiatives citoyennes permises par les traités de Lisbonne, c'est ça, et qui n'ont pas été agréées par la Commission. Donc vraiment, je pense qu'aussi, là, que Juncker veut prétendre qu'il a écouté et qu'il écoute les citoyens avec ce débat-là, mais il a été complètement sourd dans beaucoup d'autres débats dans ces dernières 5 années. Est-ce que vous trouvez, M. Jarosz-Wolski, que justement, il est dans cette impasse, notamment sur la question migratoire? Quand on voit effectivement en Italie un bras de fer avec le reste de l'Union, à chaque fois qu'un bateau n'est pas débarqué sur son sol et qui refuse donc les migrants sauvés en mer. Et finalement, à l'est de l'Europe, vous avez dit, on a aussi d'autres envies. Est-ce qu'il n'est pas réussi à réconcilier les points de vue? Et c'est ça que vous lui reprochez? La question, le diagnostic de la situation migratoire était fausse au début, qu'il faut ouvrir la porte, les portes. Et aujourd'hui, plus ou moins, l'Union européenne poursuit la recette d'Orban et de Visegrad d'il y a 4 ans, sans l'admettre, qu'il faut d'abord attaquer les problèmes là où est la source du problème, donc dans le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Et deuxièmement, qu'il faut protéger les frontières externes. Il y a 4 ans, quand le problème est paru, c'était politiquement incorrect de le dire, ici, dans cette maison aussi. C'était une crise des réfugiés, quand même, liée à la Syrie. Donc, c'était par rapport aux traités internationaux. Dans la voie centrale qui était hier en Italie et aujourd'hui en Espagne, 90 ou plus pour cent, ce sont des réfugiés économiques. On ne parle plus des réfugiés, on parle des migrants.
On n'a pas vraiment résolu le problème parce qu'on a commencé avec une mauvaise diagnose, mauvaise recette. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Hein, là, l'ancien même parti, Populaire Européen, Orban et Juncker sont dedans, mais il y a vraiment beaucoup de flottement sur cette question migratoire. Oui et non. En fait, l'exemple de l'immigration est un très bon exemple des dysfonctionnements qu'on attribue à l'Union européenne. L'Union européenne a produit un cadre légal, parlons de choses sérieuses, hein, un cadre légal qui permet aux États de prendre des décisions. Mais c'est à la responsabilité des États de prendre ces décisions. Or, les États ne prennent pas les décisions et donc laissent pourrir une situation qui est catastrophique. Je vous donne un seul exemple. La loi européenne permet aux États d'étudier les dossiers d'asile, asile ou pas asile, en 15 jours. La France, l'Italie, l'Allemagne mettent environ 90 à 120 jours pour étudier les dossiers. Alors donc, on a un cadre européen qui est adapté à une situation d'urgence et les États ne l'appliquent pas. C'est ça aussi la vérité qui fait que je dis que parfois, si l'Europe a des responsabilités, les États en ont de plus grandes encore. Ernest Ostasoni. Moi, je pense que sur la question, il faut revenir aux chiffres. Nous n'avons pas une crise d'arrivée de migrants et de réfugiés comme nous l'avions eu l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc les arrivées en Méditerranée ont chuté 70%. Donc c'est vrai que la plupart d'entre eux, ils arrivent maintenant vers l'Espagne, la moitié d'entre eux, ces dernières années. Mais les arrivées ont chuté. Donc, grâce aux accords avec l'Union. Est-ce que nous avons une crise d'arrivée? Non. Ce qu'il y a, de mon point de vue, c'est une crise politique. Il y a certains gouvernements qui utilisent l'immigration pour créer une crise politique dans l'Union européenne. Et particulièrement des gouvernements comme celui de Viktor Orban, qui a refusé dès le début d'accueillir un seul réfugié. Moi, quand je vois M. Salvini et M. Orban se réunir à Milan et faire des grandes déclarations conjointes sur l'immigration, et après je vois que le gouvernement italien se plaint qu'il n'y a pas de solidarité européenne du point de vue de l'accueil, et le gouvernement Viktor Orban, combien de réfugiés il a accueilli? Donc moi, ce que je veux dire, c'est que si tous les gouvernements de l'Union européenne, et je suis d'accord avec vous, là, il y a une responsabilité particulière des États membres, si tous les gouvernements des États membres auraient pris leur responsabilité là-dessus, je pense que cette crise n'existerait pas, franchement. Vous dites, vous réfutez l'idée de partis populistes ou qu'on en fait trop sur cette question de partis plus ou moins xénophobes, trop à droite ou en appelant au vrai peuple, mais aux élections européennes, la question va se poser. Est-ce que ça ne va pas être finalement un plébiscite pour ou contre l'Europe? C'est l'euroscepticisme qui est un peu en cause dans cet hémicycle. Est-ce que finalement, il n'y risque pas d'y avoir... La division sera sur l'immigration et pas l'Europe. Ceux qui sont pour la porte ouverte européenne pour les immigrants, ce n'est pas européen. Je veux dire que dans les traités, c'est dit que ce sont les pays membres qui sont responsables de l'immigration. Ce n'est pas la compétence de l'Union européenne. L'Union européenne... On peut le regretter, mais c'est la lettre du traité. Et la Commission a essayé, et certains pays membres, de dépasser la lettre du traité de Lisbonne. Et a commis cette faute au début. Parce qu'on aurait pu résoudre les problèmes, au début, beaucoup mieux. Vous le mettez sur ça, ça sera évidemment posé bien sûr à Jean-Claude Juncker. Il n'empêche, c'est vrai que ces élections européennes qui se profilent, finalement, elles vont peut-être justement être les élections de la dernière chance pour une Europe de cohésion, parce qu'il y a quand même beaucoup de partis qui plaident pour l'exit, hein, l'exit, la sortie. Mais on l'a vu avec le Brexit. Le débat sur le Brexit au moment où il a été fait en Grande-Bretagne a porté sur des tas de sujets qui n'avaient strictement rien à voir avec les compétences européennes, à tel point que les Britanniques qui ont décidé sur des mensonges de sortir sont très ennuyés aujourd'hui. Et il est probable, il y a un journaliste qui a demandé à Mme May, il y a 2 jours, d'une manière appuyée, si compte tenu de ce que vous savez aujourd'hui des conséquences du Brexit, vous auriez à revoter, que feriez-vous? Et elle a refusé de répondre. Donc on voit bien que le risque, c'est que les élections européennes répondre à une question qui n'est pas en fait la question posée. L'Europe ne doit pas être mise en cause parce que l'Europe a plutôt amélioré les choses. Vous avez parlé de la diminution du nombre d'immigrés qui viennent d'Afrique. C'est grâce aux accords de l'Union avec la Turquie. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'immigration massive d'il y a 3 ans. Sauf que c'est l'Europe qui va être responsable de l'inaction coupable des États.
Alors, il y a quand même cette attente de ce président de la Commission dans sa dernière année de mandat, soyons clairs, avec quand même qui lui pend au nez, la médiatrice européenne lui a rappelé l'affaire Selmayr, c'est-à-dire la nomination express comme directeur de cabinet à un poste auquel il n'était pas normalement agréé selon les procédures très compliquées de la Commission européenne, d'un Allemand, Martin Selmayr, qui est le chouchou évidemment de Jean-Claude Juncker. Ça, est-ce que ça va peser aussi sur l'image de la Commission, l'image de l'Europe, la fin de son mandat ? Ça va peser beaucoup, je crois aussi. Donc nous avons d'un côté une Commission européenne qui arrive en fin de mandat très faible, je crois. Nous avons manqué, comme je le disais au début, une Commission européenne politiquement forte, comme nous l'avions eu dans l'étape de Jacques Delors, par exemple. Et en plus, il faut ajouter à cela, bien sûr, ces dénonces de népotisme et de mauvais fonctionnement de la Commission européenne. Deux choses, si vous me permettez. Un, je pense que malheureusement, la Commission ne peut pas être forte. Ce n'est pas à cause de Juncker ou de tel ou tel. La Commission ne peut pas être forte quand vous avez 28 États qui chacun joue sa partition. Ça c'est le premier point. Plus forte. Et le deuxième point, c'est vrai que l'affaire Selmayr nous a beaucoup occupés les uns et les autres, mais vous savez, moi je viens d'un pays, la France, où le président de la République vient de nommer un de ses amis consul à Los Angeles. Donc malheureusement, nous en avons vu d'autres dans notre belle vieille démocratie française. Vous êtes choqué par cette affaire Selmayr ? Vous pensez qu'il faut le compter dans justement l'image que renvoie cette commission ? Je pense que c'est un problème plus large, c'est-à-dire le problème de la commission politique, qui n'a pas passé l'examen. C'est dans ce cadre de politisation de la commission, où la commission fait des actes politiques, se rallie à certains pays contre les autres, etc. C'est ça. Merci à vous d'avoir très bien anticipé ce fameux discours qu'on va suivre bien sûr sur France 24. Merci à vous de nous avoir suivis et vous restez en notre compagnie pour recevoir notre grande invitée juste après la pause. À tout de suite. État autonome de Somalie depuis 1998, le Puntland est au croisement d'importantes routes maritimes. Les cargos remplis de valeurs marchandes étaient la cible régulière de pirates qui pillaient les bateaux et prenaient en otage contre rançon les équipages. La présence armée de l'Union européenne a permis de faire disparaître la quasi-totalité de ces attaques. Mais la menace n'a pas totalement disparu. Et la présence de plus en plus agressive de djihadistes de diverses factions font du Puntland une zone à la stabilité encore très précaire. Je vous donne rendez-vous cette semaine pour ce numéro de Billets Retour sur France 24 et France24.com.